Bonjour, aujourd'hui je vais vous reparler de la Bosnie-Herzégovine et d'un reportage que j'ai fait en octobre 1992 autour de Sarajevo avec une section de jeunes Serbes qui partaient de leur caserne pour aller à Nizarici de l'autre côté de la ville. Et pour cela, au gré des lignes de front, il fallait au moins compter une quinzaine de jours, dormir où ils dormaient, vivre comme eux, au gré de ce qui pouvait arriver au jour le jour. C'est ainsi que je fis la connaissance de ces jeunes soldats, un peu paumés, commandés par un lieutenant parlant anglais. Nous étions une équipe de trois, une traductrice ainsi qu'un photographe qui était un de mes copains. Ce récit est le premier de trois épisodes qui nous mèneront tout autour de Sarajevo avec cette section serbe. Je vous recommande également de voir les épisodes que j'ai fait sur Goran, un résistant pro-bosniaque. J'arrivais donc à Lukavica. J'étais un peu désarçonné de voir ces jeunes gens dans des chambrées et des lits superposés. Ce n'était pas une milice, mais l'armée. Après avoir été sous les tirs serbes de Sarajevo, j'avais du mal à les imaginer en train de me prendre pour cible. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre? C'est une connerie. C'est tellement beau. J'avais beaucoup d'amis musulmans à Sarajevo. Ma mère est juive, mon père est serbe. Et moi, je n'ai jamais voulu faire de différence entre eux et nous. Maintenant, c'est fini. Nous ne pourrons jamais plus vivre ensemble. Trop d'atrocités ont été commises de part et d'autre. Comment la guerre a-t-elle commencé? Ce sont les nationalistes qui ont foutu le bordel à la victoire d'élections. Zoran et ses camarades ne me semblaient pas vraiment impliqués dans ce conflit. Nous allons aller vers la banlieue de Sarajevo, tenue par des Serbes nommés Gorbavica. Leur objectif? Rejoindre au plus vite leur milice à Nidarici, un quartier serbe situé au cœur du dispositif musulman de Sarajevo. Pour y arriver, nous sommes exposés aux tirs des snipers bosniaques que j'avais vus il y a quelques mois. C'est très très difficile de passer en groupe. Il faut passer en groupe de 2-3 personnes maximum. Sinon on va se faire tirer par les snipers. Sur les murs, des affiches avec des croix, des noms, des hommes et des femmes tombés sous le feu de l'adversaire. Ils sont désespérés de se retrouver ainsi mobilisés. Pourquoi? Pour qui? Contre qui? Rat. On nous a précipités dans la guerre, alors que la paix était encore possible. Simplement, c'est mauvais. On aurait pu faire les choses autrement, mais c'est les autres qui voulaient ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va devenir? Ça, de chemin, c'est je l'ai fait. Je ne sais pas. En face de moi, la tour où j'avais rencontré Goran, le sniper. Nous étions en première ligne.
Vous voyez, à 200 ou 300 mètres, ce sont leurs positions. Ils se tiennent là. Un homme apparaît avec un curieux chapeau. Ce sont les Tchétniks, des extrémistes serbes, pro-royalistes. Le peuple serbe a subi des invasions ennemies pendant des siècles. Et ils sont toujours restés maîtres chez eux. Et cette fois-ci encore, ils vaincront. Et nous voulons ce coup-ci régler les comptes avec l'ennemi définitivement, pour que le peuple ne vive plus dans la crainte. Voilà, nous en sommes au deuxième jour du reportage, toujours à Garbavitsa. La section se repose un peu. Je les vois jouer au football sur fond d'explosion, comme des gamins. Qu'ils sont en fait. Une femme d'origine musulmane est prisonnière. Est-ce que vous pensez que vous allez être échangé aujourd'hui? Cela dépend des Serbes et des autorités. En ce qui me concerne, je suis très contente, car je désire aller où cela me plaît. Nous avons quitté Garbavitsa, nous arrivons à Dobrinja. Pour avancer, il nous faut passer de maison en maison, d'appartement en appartement. Pour cela, des murs ont été abattus. Zoran, lui, n'a qu'une idée, revenir à Lizarichi, où il y a ses parents. Mes parents habitent là-bas, derrière les lignes musulmanes. Tiens, il y a un sniper là-bas. Il y a deux nuages de poussière, c'est là où on vient de passer. Je jouais avec mes copains au football. Là, il y avait les vestiaires. Près de l'artillerie. Nous sommes maintenant près de l'aéroport. Je comprends beaucoup mieux comment les Serbes peuvent contrôler une partie de la route qui mène au terrain d'aviation. Et où une de mes confrères qui travaillait pour CNN a été grièvement blessée, la moitié du visage arraché. Les copains de Zoran n'ont qu'une idée que cette guerre absurde s'arrête. Tout ça s'est détruit. Cette guerre doit s'arrêter. Il doit y avoir un vainqueur. Mais en réalité, il n'y aura que des perdants. Mais ce n'est vraiment pas le cas de ce milicien qui garde un poste avancé et qui est vraiment prêt à faire des horreurs. Les snipers, j'aimerais les empailler. Ils m'ont tué 10 amis. J'aimerais les passer à la broche. Pour les autres, le temps viendra s'ils n'acceptent pas la paix. Nous passons de tranchée en tranchée. La progression est très difficile. Aujourd'hui, nous allons dormir à Dobrinja. Une musique s'élève, on nous parle encore de Yougoslavie. Roma,
Je pense qu'il est trop tôt pour dire oui, la Bosnie-Herzégovine existe en tant qu'État, puisque ce n'est pas un État, puisque ce n'est pas un pays, c'est la République yougoslave. C'était déjà très compliqué avant, mais maintenant... Le réveil est dur pour certains. J'ai rêvé que j'allais au bord de la mer cet hiver. J'y suis déjà allé il y a peut-être 2 ans. J'adore la mer. Votre famille était à Belgrade? Your family live in Belgrade? Yes, in Belgrade. Oui, à Belgrade. Ma femme, mon fils sont dans l'appartement de la tante de ma femme. In the flat of aunt of my wife. Ils ont eu beaucoup de problèmes parce que l'économie n'est pas bonne et tout est très cher à Belgrade. It's very, very expensive now in Belgrade. Mais pour mon enfant, à son âge, c'est mieux qu'il soit à l'abri. Il peut marcher librement, jouer, jouer avec les autres enfants. Nous repartons, mais problème. Au grand désespoir de Zoran, il nous faut faire demi-tour. Impossible de passer à travers les lignes musulmanes. Pourtant, Nizaritchi n'est qu'à quelques centaines de mètres. Il va nous falloir contourner le dispositif ennemi par la montagne. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de mon récit avec une section serbe. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner.